trouve que notre jumelage a été le troisième qui a été créé en Europe. Et il a été créé par des gens qui s'étaient connus pendant la guerre et qui donc ont voulu engager ce mouvement de lien d'amitié entre des villes. Il s'agit avant tout de créer l'esprit de citoyenneté européenne. Pour créer cette citoyenneté européenne, on développe des activités culturelles, des activités d'échange entre associations. On a arrivé à trouver une façon pour partager en faisant les choses. Donc on a partagé de créer les spectacles, de créer les exhibitions, de créer l'autre chose comme ça. Nous sommes venus cette année à l'occasion du festival d'art, Art Festival de Great Yarmouth, accompagné d'artistes et de musiciens de Rambouillet. Et donc les temps forts ont été l'exposition, plusieurs artistes de Rambouillet et des photographes qui sont aussi liés à la MJC ont exposé. L'exposition ici a lieu dans ce qu'on appelle le Minster, c'est-à-dire la grande église paroissiale. Les jeunes du CCJ, hein, du Comité Consultatif des Jeunes, ont présenté un spectacle qu'ils avaient préparé à Rambouillet qui consiste à faire un défilé de mode sur différents thèmes. On est parti d'idées, donc de thèmes, et puis de là on a choisi des citations pour ensuite créer les tenues ensemble. Donc je les ai dessinées, je les ai proposées ensuite, et puis après on a trouvé des couturières pour les mener à bien. Ça s'est passé à l'hôtel de ville ici de Great Yarmouth. On est à quelques minutes du défilé dans l'hôtel de ville de la mairie de Great Yarmouth et tout le monde nous attend. On est très excités, on est très impatients de voir que le public apprécie nos créations et nos tenues. Aujourd'hui, on vous a présenté le résultat de plusieurs recherches et plusieurs heures de travail pour en venir à ce résultat aujourd'hui. La parade à laquelle tous les Rambolitains qui étaient ici ont participé. It's been really good atmosphere, good fun. Really enjoyed it, and I think everybody else has too. To have our friends from France here as well, so I think it's absolutely brilliant. It's been a lovely day, really has. Are you satisfied with the procession? Oh, absolutely. Oh, yes, and we've been very lucky with the weather. Yes. No, having Rambouillet here has made all the difference. Et à la fin de la parade, ils ont joué tous ensemble, non seulement la batuque à chapeau, mais aussi Canbrace et une samba mexicaine de Norwich, la ville voisine de Great Yarmouth. Depuis de nombreuses années, nous avons mis au point aussi des jumelages entre écoles qui fonctionnent très très bien. Nous avons actuellement 10 jumelages entre écoles, 5 au niveau du primaire et 5 au niveau des lycées et des collèges. Et ces jumelages sont animés par des professeurs
de Rambouillet et des professeurs de Great Yarmouth qui rentrent en contact, et avec l'aide en particulier maintenant des moyens vidéo qu'on peut avoir grâce au réseau Internet. Pour nous aussi, c'est très important parce qu'on a essayé de travailler très fortement, de créer les jumelages entre les écoles. Et on veut voir la situation quand toutes les écoles à Great Yarmouth et Rambouillet sont jumelées avec les autres. Quand nous venons à Great Yarmouth, nous sommes accueillis dans des familles. Et l'inverse, bien sûr, se produit lorsque nos amis de Great Yarmouth viennent à Rambouillet. Et ça, c'est très très important parce que ça permet de créer des relations personnelles entre les gens et ça permet à chacun de passer un séjour dans une famille, de découvrir la culture, la manière de vivre de nos amis anglais et inversement. So we welcomed four people and we've had such a lovely, lovely weekend. So it's the first time you do it. It is. And we'd certainly do it again. On veut trouver la façon de continuer les collaborations entre les deux villes et entre les deux pays. C'est évidemment l'occasion de susciter cet intérêt pour la citoyenneté européenne dès l'enfance et dès l'adolescence de nos jeunes. Ce week-end, je pense qu'on a trouvé une façon de travailler ensemble plus forcément.